Salut les amis du bitume américain, on se retrouve pour la suite des aventures sur ATS et bien entendu nous avons notre ami Marcus aussi qui est là. Salut Marcus! Bonjour amis américains, bonjour amis du camion poubelle, du camion à ordures, du camion à déchets aujourd'hui. Et oui, puisque effectivement l'épisode d'aujourd'hui les amis c'est le Montana, c'est le zéro déchet qu'on va essayer de faire. On va essayer de le faire dans l'épisode, on va voir si ça tient ou pas, sachant qu'on a trouvé... une petite tactique, si vous voulez, qu'on va peut-être vous expliquer aussi, ça peut vous aider. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on transporte des camions ben, vous voyez, hein, Marcus, il a ça, il est en train de livrer. Du coup, c'est un truc que j'ai mis avec le truckbook, hein, j'ai programmé. Donc, du coup, on va aller rechercher la mission. C'est-à-dire que j'ai déjà livré une fois. Ça savent qu'elle est cool. J'en profite un petit peu pour jaunifier. Ça fait toujours plaisir. Voilà, hop hop hop, alors là cette remorque elle est où? Elle est par là. Voilà, donc Marcus il attend que je récupère la remorque, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vous dis, on a déjà livré une fois, hein. Normalement il y a 11 livraisons à faire, alors il y a d'autres produits à faire, donc on essaiera d'en programmer aussi dans le truckbook. Voilà. Il est temps de prendre la route. Allez, donc moi je viens de verrouiller cette remorque, donc du coup je vais me diriger à livrer. Donc Marcus lui va pouvoir livrer directement. Là je livre. Voilà, tu peux livrer, donc tu vas avoir un 1 sur 11 logiquement. À moins que tu avais déjà attaqué. Non, je l'ai déjà fini celle-là. Ah, mais tu l'as fini toi? Je l'ai fini moi celui-là. Ah mince! Alors je t'ai dit, je l'ai fini, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Ok, ok, alors donc on va faire que pour moi finalement. Ouais, mais c'est on va essayer de la faire vite fait. Ça vous permettra de nous faire un petit truc. Alors, tournez à gauche. Les feux, on s'en fout un petit peu. Voilà. Préparez-vous à tourner à gauche. Ça, je vais la récupérer pour que tu puisses la récupérer. Voilà, donc tournez du coup, l'idée c'est ça. Vous voyez, les amis, moi je vais livrer. Mais avant de livrer, Marcus va récupérer ma cargaison. Et va aller la rechercher à nouveau. Ce qui fait que lui va venir la relivrer. Enfin, il va la reprendre une fois que. Marc, t'es même pas obligé toi de livrer parce qu'il suffit que je la reprenne à chaque fois de la faire. Ouais, je sais ce que je vais faire. C'est ce que j'allais dire. Tu vas attendre qu'il finisse ta phrase pour dire moi je vais pas livrer, je m'en fous du coup. Et ben exactement. Ça apporte un joli ta peinture, dis donc, hein. Chouette, hein. Ah ouais, j'ai changé un peu, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé. C'est ici que ça se termine. C'est une qui est dans le jeu, celle-là ? Oui, oui. Ça me dit rien du tout, dis donc. Alors surtout qu'en plus, faut que je me repose, c'est pas cool. Bon, ça va bien, un café sera vite fait. Donc tu l'as reprise déjà, je crois. Ouais, non, pas encore. Alors voilà, moi je me mets en stand-by. J'ai pas pensé, faut que je parlais et j'ai pas pensé. Pas de soucis. Mets-toi en stand-by, je la reprends. Voilà, moi je suis en stand-by. Donc logiquement, une fois que tu l'as là, si tu... Je vais jeter un petit coup d'œil, normalement tu devrais l'avoir, hein. Non, ouais, c'est bon, je l'ai. Allez, tu l'as, donc du coup, ça veut dire que moi, maintenant, regardez bien, les amis, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je livre. Tac. Je déverrouille. Ça va me faire ma deuxième cargaison. Ah, pas du tout. Il ne m'a pas fait la deuxième cargaison. Donc, c'est un camion poubelle, une benne à ordures et 9 papiers. Bon, bah super. Ça commence bien cet épisode, voilà, donc bah voilà, c'est réglé de ce côté-là, donc c'est pas la peine que je me casse la tête à revenir livrer. Non, ça sert à rien. Donc ça veut dire que... Je vais l'abandonner. Allez, t'as peut l'abandonner. Du coup, ce qu'on va faire, il va falloir que je trouve un... T'as dit quoi l'autre, c'était quoi? Ben à ordure et papier. Alors, ben à ordure, off de traction, on va regarder. Ah, je l'ai mis sur mon écran, papier usagé, benne à ordures et camion poubelle. Camion poubelle, c'est fait. Donc, il faut une benne à ordures. Ouais, mais c'est papier usagé. Je suis
pas certain que ce soit écrit Ben Ordure. Voilà, Ben Ordure, ah, ouais, j'en ai. Comment ça t'as écrit sur machin, leur truc là. Ben Ordure, je les ai. Par contre, donc il faut que je livre absolument dans un MWM, t'as pas le choix. Bien sûr, il y en a bien sûr aucune livraison qui va arriver là-bas, je suppose. D'habitude, hein, tu penses bien. Voilà, effectivement, il y en a 0, 0, 0. Ah si! Je peux livrer MWM à Cody en Wyoming, ce qui n'a rien à voir, je ne peux pas y non, aller. Non, ça n'ira pas. Non, c'est à livrer dans le Montana. Tu pars d'ailleurs si tu veux, mais il faut arriver dans le Montana. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est réglé, on va avoir des contrats externes au cas où. Offre externe, c'est ben la même ordure, ouais, il y en a qui part de Bozeman, mais il faut arriver à Bozeman, mais il ne faut pas en partir. Bien entendu. Eh ben, il n'y en a pas. Bon, eh ben, écoutez, le Montana, zéro déchet. Eh ben, c'est pas grave, on va tout jeter par la fenêtre. Encore un succès qui est très compliqué à faire. Là aussi, ça me rappelle les bus et les capots, là, les trucs à la moins compliqué, honnêtement, t'en trouves beaucoup plus facilement. J'ai pu faire sans aide de truc-book. Ah, ça s'est pas fait tout seul, hein. Mais ça va, c'est moins compliqué. Par contre, j'ai abandonné mes disjoncteurs, j'ai abandonné les carreaux, j'ai abandonné. Donc papier, alors on a aussi des papiers usagés normalement qu'il faut ramener, tu m'as dit. Ouais, mais ça, il y en a plein. Hein. Voilà. Ouais, ouais, bah, ça fait un peu loin. Alors, est-ce que je peux en trouver là, dans le coin ? Peut-être déjà faire ça. Par contre, faut bien des papiers usagés que tu vas apporter à MWM. Ouais, ouais, c'est ça, je fais ça. C'est et ça oui, que je cherche. Si tu apportes des papiers à d'autres sociétés, ça ne marchera pas. Exactement. Alors, j'en trouve, mais bien entendu, ils sont pas dans le Montana. Bah oui, il y en a partout. Texas. Il y en a un, mais ça t'amène pas à MWM, donc ça c'est pas bon. Fresco, penses-tu ? Il y en a un qui part de Billings. Ah non, ah. il va à Cody. J'en ai un. Ah. Papisager, Glasgow, Livingston. Faire ça, il est temps d'aller travailler. On peut faire ça, du coup on va se téléporter Livingston, Glasgow. Livingston à Glasgow, tu peux pas téléporter, c'est pas la peine. C'est pas. Bah, je sais, j'ai des disjoncteurs à amener à Glasgow. Je vais adorer cet épisode. Glasgow et Havre, tu peux pas. Il y a des disjoncteurs à amener, on peut pas s'y téléporter, c'est très chiant. Calcul d'un mais t'as raison, en partant de Glasgow, Livingstone, c'était bon. Alors, faut que je regarde combien de temps il faut. Bah, t'as 1h19, hein. Donc, même si tu pars de Havre ou de Sydney, c'est mort. 1h19, c'est mort. Hein. C'est mort. Bon, bah. Ah, c'est archi mort. 1h19. Ouais, le jeu aime bien te mettre des choses comme ça, mais t'as que 1h19. Tu peux pas te téléporter. Eh oui! Des fois, il te met 25 minutes, tu ne peux pas te téléporter, tu fais c'est mort, c'est con, ça m'arrangeait. Bon, bah là, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il va falloir peut-être enlever le convoi, se reposer chacun de notre côté, puis essayer de gratter. Ouais, mais c'est bon, c'est chiant. C'est vraiment pénible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut tracter ? Parce que du coup, tant pis, bah, ce sera le Montana, zéro déchet, il n'y aura pas de déchets. Ben Ordure, si j'ai des Ben Ordure à emmener. Dans le Montana, mais on s'en fout, c'est pas dans le bon sens, monsieur, on vient de te dire. Alors, qu'est-ce que je peux emmener Tac. Regardez si je trouve pas un truc quand même au hasard, là. Vite fait, qui pourrait le faire. Moi, je me suis enlevé du groupe, je vais essayer de me reposer dans une ville assez centrale. Et de proposer à Elena et de là-bas j'essaierai de trouver quelque chose, on verra hein. Bon allez, je me fais une petite mission vite fait le temps que tu. J'essaie de gratter ça, vas-y, fais ta mission tranquille. Bon bah c'est la même ville hein, donc. Oh bah ça va. Recalcule.
tournez à gauche. Il y a du papier. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a du papier. Mais il n'y en a aucun qui va à MW. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Ça va tout ailleurs. Ah, si, ça y est. Tournez à droite. Mais c'est le problème, c'est que c'est Mile City, les mixtures. Ah, si, ça va encore. Mile City, on peut s'y téléporter à Mile City. Voyons voir. Est-ce qu'on peut s'y téléporter? Oui. Donc tu as une livraison de Mile City jusqu'à Lévisto. C'est pas à côté, mais c'est pas c'est dans le même état. J'ai pas envie de faire 40 000 km là. Ben, je sais bien, mais c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. C'est quand même galère. Tenez la droite, puis continuez tout droit. Les succès ne se font pas très très rapidement. Hélas. Tenez la droite, puis tournez à droite. Certains, c'est vraiment pas rapide, hein, vraiment. Laurel Cody, là pareil, c'est pas Cody. Ah si, bah oui, mais Cody, on va livrer dans le Wyoming, donc ça ne marchera pas. Le con, c'était MWM. Tenez la droite, puis tournez à droite. Missoula Bozeman, ça marche aussi. Ça match, mais le problème, c'est pas à côté quoi. C'est comme Mile City, Lewistone, c'est ouais, pareil, même distance. 4h11. 226 miles. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. 181 miles, le Mile City, Lewiston. Tournez à gauche. Préparez-vous. Bah, j'ai pas mieux de proposer. Je parle plus, je boude. J'ai pas mieux de proposer. Mile City, Lewiston, 181 miles seulement, en promotion aujourd'hui dans vos magasins. Un miles acheté, un miles gratuit. Transporter du papier usagé. N'empêche qu'avec cette mission, tu gagneras plus que sur certaines missions dans Euro Truck. Ouais, c'est moi. Je dis ça, je dirais. Pour ceux qui veulent, allez voir la compétition sur Euro Truck et il y a la belle remontée de enfin, Monsieur Kaufman. Merlu. Le Merlu, c'est goûtu. Ouais, j'ai pas mieux de proposer. Mile City, Lewistone. Ça t'intéresse pas, 181 miles? C'est parti. Ouais, non, je vais arrêter. Je vais faire ma petite livraison là. Et puis je vais retenter le truck book là pour voir. Bah ouais. Sur un truc court parce que. Le problème, c'est que j'arrive pas à mettre les papiers sur le truc. Ça merdouille à chaque fois. Je propose, peut vous proposer aussi en mission rapide. Hein, il le propose aussi, forcément, parce qu'il propose les mêmes choses. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Allez voir s'il propose des bénards en droite. Oui, ils en proposent des bénards. Tournez à droite. Ils en proposent dans le Texas. Super. Ah, Billings Bozeman, bénard ordure. 182 miles, pareil que tout à l'heure. Mais là, c'est la benne à ordures, c'est moins facile à trouver. Ouais, bah récupère-la. Ouais. On va faire ça. Au moins, j'aurai celle-ci. Après, on verra pour les papiers. Tournez à gauche. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Ah, je suis en train de me téléporter à Billings. Je récupère la mission et Par contre, faut que je me remette dans le convoi. Ah ouais, parce que t'es pas dans le convoi, je te vois pas, je voulais la récupérer. Mais je vais d'abord la récupérer, c'est pas. On sait jamais, tu sais. Ok.
C'est où Billings? C'est où ça Billings? C'est dans quel état? Tant qu'il nous intéresse Billings. Bosman, Billings. C'est... Ah ouais, Billings c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as... J'ai trouvé. Eh ben à Billings, tu peux te diriger sur Home Store, qui est au nord de Billings. C'est à Home Store qu'on va prendre le convoi. Ok. Je le récup et je m'emmène en convoi. Top. J'ai déjà vu ça que maintenant dans les entreprises du moment ça jaunifie pas tout quand tu rentres. Oui. Putain. C'est rare, hein. C'est vraiment rare, mais ça arrive. Faut aller se balader au fin fond du bazar pour pouvoir jaunifier le cul. Mmh. Des fois il y a des routes aussi sur le côté, faut vraiment faire toute la route, c'est chiant. Mais ouais, je confirme, c'est mal chier. C'est vraiment mal chier. Allez, j'ai attelé, je me remets dans le coup. Je suis dans le convoi, tu dois pouvoir récupérer là. Ok. Normalement, si j'ai bien compris le texte du succès, c'est après c'est que du papier usagé. Mmh. C'est souvent trouvé assez facile. C'est moins compliqué que les capots ou les disjoncteurs là. Ça. Ah ouais, que tu voyais pas, t'as été jaunifié non? Ouais, je jaunifie en même temps. Ah, ça marche. Je disais, il me semblait que je t'ai vu pas loin tout à l'heure, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est où? J'ai dit, merde, il a pas planté. Tu sais, on sait jamais, c'est pas que ton ordi plante ou je plante. Ouais. Bouge plus, c'est normal. Ouais. Jaunifie sur place, c'est ça?
Ouais, non, non, mais je prends la mission. Il est temps de prendre la route. Ah, pardon. Ah, merde. Hop, ça y est, je me suis trompé. Allez, voilà, on y va. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Ça va être à fond la caisse parce que je suis énervé. Hein. Bah, on y va à fond. Livrer les bennes dans un état. Hop, route. On va livrer. Et on va à côté, donc ça, ça arrive rapide. Tenez la droite, puis tournez à droite. Bah, si tu penses arriver un jour, parce que là, ça va gagner. Bah, j'arrive. Je te vois pas bouger. Normal. Comment ça, je bouge? Bah, si, je bouge là. Ah, bah, moi, je te vois pas bouger. Ton. Pour ça, je m'inquiétais. Comment ça, tu me vois pas bouger? Bah, regarde sur mon écran, ton icône est toujours statique et toujours allez. Entre Bushel et. Bah, j'arrive pourtant là. Ah, bah, c'est bizarre, regarde. Enfin, tu bouges pas, c'est pour ça, je m'inquiétais, j'ai dit, bah, merde. Tu vois, si je me remets, tu vas avoir bougé ou pas? Bah, non, t'es toujours bugué là-bas, tu bouges pas. Peur. Tenez la gauche. Bah ouais, c'est pour ma faute. Regarde, c'est aussi bizarre. Hein. Tournez à gauche. Moi je lui disais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et en conduite, je te vois arriver. C'est une belle balade. Ah, je suis devant la boîte là. Ah ouais? Ah ouais, t'es à côté, ouais. Bizarre. Hein. Ah ouais, t'es en train de rentrer. Ouais, bizarre. Et le plan, il m'a dit qu'il a dû se réajuster. Ouais, il s'est réajusté, c'est bon. T'es à côté, c'est cool. C'est un contrat classique ou... Allons-y. Oui, c'est pas un Word machin. Ok. On va pouvoir rouler à fond la bille. Allez, on va aller terminer. Enfin, terminer. Faire moins. Allez. C'est Ben, il restera plus que les papiers. Ouais, ça sera tranquille. Peut-être plus simple. Tournez à droite. Là, on va faire deux virages de trop. Pour rien. Tournez à gauche. Ils aiment bien, le GPS aime bien nous faire passer par des virages. Ils aiment bien ça. Moi, bon, c'était pas jaune, donc ça me va. Ouais, mais bon, ça va. Ça en aurait été tout droit, et bien un seul virage, mais non. Mm-hmm. Ah, allez, tout droit. Il doit considérer que c'est plus court, peut-être. Ça. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Allez, à fond, à fond, à fond. De nuit, il devrait y avoir personne. Ouais, tranquille. À part la police, messieurs. Il y a pas de péage, tu seras tranquille. En plus. Oh putain, la pesée. Gratis, hein. Moi, de toute façon, faut que je fasse du jaune. Alors. Moi, je peux contourner ça.
Allez, on va essayer de rattraper Marcus. Allez, c'est parti. Parti pour la Corse. T'as l'air d'avoir un camion plus puissant que le mien, dis donc. J'ai l'impression. Peut-être. Ouais, je pense, parce que... Alors moi, le Peterbilt, j'aime bien parce qu'il a un grand pare-brise. C'est pas le plus rapide. Ça va pas bien. On est bientôt arrivé, ça va vite. Ah, moi je roule pas à 100, hein, Maïs. Je suis à 100, j'arrive juste plus poil à 100. Ah bah, moi j'y arrive jamais, moi. Bah comment ça se fait? Tu faisais du 103 le fois 102, 103 avec le... Bah celui-là. Ah c'est pour celui-là, c'est pas le Freightliner celui-là? Non. Ah merde, d'accord. Moi je me sens, ça descend un peu je pense. Hein. Mm. Normalement je suis en dessous de 100 avec celui-là. C'est le Wanter machin, celui qu'on a pris pour la pesée lourde là? Non, c'est un autre. C'est un Volvo. C'est un autre. Ah t'as essayé un Volvo, ils sont bien les Volvo? Ouais, je voulais essayer. Wow, putain, parfait. Putain, heureusement qu'il est censé avoir personne la nuit, hein. Ouais, il y a du monde à fond, hein. Dès 1h30 du matin, ils sont tous dehors, les gars. Là. C'est pour ça que t'as une peinture spéciale Volvo, d'accord. Alors les camions, ils roulent tous à gauche, hein. Ils sont contents, là, ils sont plaisir. C'est vrai qu'il y a du monde, hein, punaise. Je fais quasiment tout le trajet sur la bande d'arrière. Ah ouais, je vois ça. C'est horrible. Ils font un clampin qui est sur la gauche, en plus. Qu'on roule de nuit, bon sang. La nuit, la route est à nous. Mais comment on peut avoir autant de circulation la nuit que la journée, tu l'as même pas? Je sais pas, bah, parce que c'est l'IA est mal. Bah, on appelle ça une intelligence artificielle, mais c'est pas très intelligent. Pour je sais pas, il n'y a pas de gestion nuit jour à mon avis. Par contre ils ont une gestion de la lune au fur et à mesure que tu vas faire des livraisons, au fur et à mesure que les jours passent, la lune passe en quart de lune, en pleine lune et en lune cachée. Bon, là ils ont respecté les cycles de la lune par contre, c'est marrant. Voilà, on y est, c'est nickel. Bah, tant mieux. Ah oui, on arrive effectivement. Je reconnais la route. Normalement, celui-là, ça devrait être le comté, normalement. Ah bah, j'espère. J'espère aussi.
tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. C'est terminé. Bon, allez, on décharge. On va espérer que c'est bon. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il m'a validé. Parfait, parfait. Donc ça, c'était les deux obligatoires. C'est ça, les deux obligatoires. Maintenant, c'est du papier, du papier, du papier. Du papier, du papier, du papier. Bon, bah, il faudra qu'on regarde ça pour ce qui est du papier. Effectivement. Bon, bah écoutez, voilà, les amis, on va dire, pour ce petit épisode du Montana Zéro Déchet, c'était compliqué, on pensait avoir trouvé une... Moi, je pensais qu'on pouvait faire plusieurs bennes, en fait. Je pensais aussi, tu vois, pour ça, je t'ai pas contredit ni rien, mais non. Parce que du cool, coup, si j'arrive à trouver un truc papier pour la prochaine on fois... On pourra faire ça, ouais. On pourra peut-être essayer de se les échanger, pour voir si ça fonctionne bien, parce que du coup, je pourrais en faire plein. À moins qu'il y ait une... À moins qu'il y ait une sécurité, qui peut pas faire la même, strictement la même. Ouais, je sais pas. Ce qu'il y a surtout, je voulais mettre avec le truckbook un trajet très court, quoi, si tu veux, parce que s'il faut faire des trajets de 200 miles à chaque fois, ça en fait 10 à faire, ça fait 2000 miles à faire. Donc ça prend du temps. Donc, comme tu l'as fait, je chercherai peut-être d'en faire déjà moi de mon côté aussi pour finir la prochaine fois officiellement avec nos amis, bien entendu. Voilà. Eh ben écoute, merci Marcus de m'avoir trouvé cette belle benne à déchets, cette remorque de benne à déchets. Ça fait toujours plaisir, une belle benne à déchets. Exactement, exactement. c'est clair, c'est clair. Bon allez, en tout cas, n'hésitez pas, les amis, le petit pouce bleu, on vous a pas fait un épisode trop long pour une fois. On était moins bavard, c'est mal. Hein, mal. C'est bien, ouais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, bye bye à tous, salut Marcus. Allez, bye bye à tous, merci pour l'invitation, la semaine prochaine.